Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Un trou noir aurait été aperçu par des membres de la NASA dans la nuit de dimanche à lundi. Celui-ci aurait aplati trois planètes avant de les engloutir. Du jamais vu dans le monde de l'astronomie. Plus près de chez nous, un jaguar se serait échappé du zoo de Granby. Le dénommé Rex serait accompagné de trois grenouilles très vénéneuses, originaires de la forêt amazonienne. Ils auraient déjà créé plus d'une dizaine de victimes. Ils sont aujourd'hui recherchés dans toute la région de l'Estrie. Aujourd'hui connue dans le monde entier grâce au single « Vendredi », la jeune Rebecca Black fait une montée fulgurante sur le web. Elle annonce d'ailleurs un concert le mois prochain à Montréal. Une étude démontre que 7% des femmes souffrent d'anorexie au Québec. Une donnée qui en inquiète plusieurs. Nous assistions à une importante rencontre des Nations Unies, ce matin à New York, où plus de 190 pays étaient présents, comme à chaque année. Par contre, la réunion tourne rapidement au chaos, après l'attaque des trois pays de l'axe du mal. L'événement s'est conclu en bain de sang. Dernière tragédie, un tsunami frappe violemment les Philippines, faisant plus de 200 000 morts. C'était les actualités. Merci, chers téléspectateurs. À demain.